bien passé à l'école? Et papa? Vous avez fait quoi? On a fait The Metric System of Length, Weight and Capacity. On a commencé avec Length, qui passe mètre. On a fait 10 mm, 1 cm, 10 cm, 1 décimètre, 10 décimètres, make 1 mètre, 10 mètres, make 1 décamètre, 10 décamètres, make 1 hectomètre. Mais 1 kilomètre. Tu as écouté ce que j'ai dit? Oui, j'ai tout écouté. Tout. Papa, tu me manques depuis que ça fait marcher. Si là, tu es même pas avec moi. Non, j'ai écouté. Ok, les oreilles de papa sont larges comme ça là. Ça part partout, non? Ok, qu'est-ce que tu as dit ici? Non, ne t'inquiète pas, j'ai compris. Non, vraiment, j'ai compris tout ce que tu as dit. Ne t'inquiète même pas. Dis donc ce qui t'a dit, non? Tu parlais des méta. Et qu'est-ce que je donne d'ici les méta? Alison, tu sais que papa a fait la session francophone, non? Oui, donc quand tu me poses des questions maintenant sur les méta là, est-ce que moi j'ai fait la session anglophone comme toi? Nous on t'a envoyé là-bas, moi en tant que parent, j'ai été envoyé là-bas parce que tout le monde dit que bon, c'est la session anglophone qui est bien maintenant. Et pourquoi donc tu me poses toutes les questions là? C'est parce que comme tout père qui se respecte, quand il va chercher l'enfant à l'école, il doit poser la question, qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Même si c'est que ça va lui servir à rien, non? Non, ça va te servir à rien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je peux utiliser ça pour insulter ta mère ou faire un truc. Bon, ça peut me servir, mais pas tout de suite, pas là maintenant. Ouais, Alison, on ne met pas le cœur, hein, surtout pas à ton âge. Si tu commences à mettre le cœur là maintenant, yo, on va beaucoup te décevoir. Faut aussi que je t'apprenne à ne pas mettre le cœur, hein? On ne met pas le cœur, non? Voilà, c'est ça, c'est important. Ne mets pas le cœur. Papa, qu'est-ce que je regardais comme ça dans ton téléphone? Non, rien d'important. C'était les choses des pères que je regardais. Ce qui est le plus important, c'est le métas. Dis-moi, pourquoi ce sont les choses des grands? C'est les choses des grands, non? Dis-moi quand même. Est-ce que tu es grande? Ça, c'est les choses des grands. Tu veux que je te dise pour que tu fasses quoi avec? Mais tu me dis pas, je te dis plus mes choses. Attends, donc comme ça, toi aussi, vous aussi, vous avez les choses, c'est ça? Oui, les choses des petits-enfants. Et les choses des petits-enfants, c'est quoi? Ça me concerne à quel moment? Est-ce que tu n'as pas envie de connaître ce que Tata Lucie et Tata Maria disent le cas du Pata à la réunion? Elles ont parlé de moi. Tata Lucie, encore sa bouche, mais elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Dis-moi avant ce que tu disais dans ce téléphone. Je t'ai dit que ça ne te concerne pas, ne s'intéresse pas, c'est pas important. Dis-moi quand même, non? Je t'ai dit que c'est rien d'important. C'est les choses qui me concernent, moi, qui ne te concernent pas, toi. C'est rien d'important. Tata Lucie dit quoi? Elle a dit quoi? Elle parlait avec qui? Dis-moi ce que tu regardais dans ton téléphone. Ok, ça va. J'étais en train de regarder la nouvelle campagne de MTN. MTN, aime-le. Aime-le, veut dire quoi? Ah, tu vois que tu ne connais pas. Non, je vais te dire des choses qui ne te servent à rien. Pourquoi? Dis-moi, Tata Lucie a dit quoi? Dis-moi quand même, si je ne te dis pas. Ok, je t'explique. La nouvelle campagne de MTN, MTN Hemble, en fait, c'est quoi? Le principe est simple. C'est que tu tapes un forfait data, par exemple pour la journée, et que ton forfait data est en train d'expirer, et que tes data ne sont pas finies. Ce que tu fais, c'est que tu renouvelles le même jour ou alors un jour après. Tu sais que tu renouvelles juste ton forfait, non? On va te donner des nouveaux data, mais on ajoute le reste des data que tu avais. Ça va maintenant? Tu avais raison, je n'ai rien compris. Tu vois donc? Tu vois donc, tu vas comprendre comment? Parce que pour comprendre la base, il faut d'abord être abonné à MTN. Est-ce que tu es abonné à MTN? Non. Il faut d'abord avoir le téléphone. Ah, soit il faut avoir un téléphone tranquillement et puis tu tapes ton abonnement tranquillement à MTN et c'est tout. Voilà, papa, je voulais même te parler de quelque chose. Tu voulais me parler de quoi? Je veux avoir une tablette. Que quoi? Tu n'as pas compris. Tu vas avoir une tablette. Alison, je t'ai déjà expliqué que la tablette de chocolat, c'est les hommes qui doivent avoir ça. Donc moi particulièrement, je n'ai pas. Ta mère me repousse ça chaque jour. Mais bon, je sais le corps, je lui dis qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais ce n'est pas pour les femmes, c'est les hommes qui doivent avoir la tablette de chocolat. Je ne parle pas de la tablette de chocolat, je parle de la tablette. La tablette de beurre? Non.
Attends, tu veux la tablette? Quelle tablette? Oui. Tu veux faire quoi avec la tablette? Je fais comment pour maîtriser MTN Yemle? Alison, tu sais quoi? On se perd à la maison. Si tu es sage, tu marches vite. Ouais, moi, en tout cas, moi, il m'avance. Papa! Tu veux pas savoir ce que tata Lucie et tata Marie ont dit sur ton nom? Papa! Tu veux pas savoir ce que maman dit sur ta chaussure de chaque jour là? Papa! Fais-moi la tablette, non? Mais tu veux pas savoir ce que tata Gaël pense de ta coiffure là? Papa, papa, fais-moi la tablette! Je m'y ai parti. Papa! Papa! Papa!